Re à tous, donc nous voici pour la deuxième partie de notre test Candysan. Donc la deuxième partie, c'est tout ce qui est sucré. Voilà, donc ça vous donne un peu un aperçu de tout ce qu'on a commandé. Voilà, il y a... Attends, ça va tomber. D'ailleurs, c'était toilette, alors faut que tu démontes. Ouais, ça a monté. t'as monté. Mais de côté. On est de côté. Donc voilà, je vous mettrai forcément en barre d'infos le lien de la première partie, puisque comme vous pouvez peut-être voir derrière, en fait, il y a tout ce qui est salé. Donc voilà, on va tester. Comme d'habitude, je vous donne le prix en même temps, ce que c'est. Alors on commence. Alors ça, c'est des biscuits en forme de koala. Et c'est choco avec une crème banane à l'intérieur, fourrage crème banane. Et ça coûte 1,02€. Oh, c'est bien, une petite languette. Des ouvertures faciles. Oui, c'est pas con, les japonais. Bête. Pas con, moi. Je vois un gros fichier ici. Bon, alors. Super. Donc, les ouvertures sont pas toutes faciles. C'est pas tout clair. Je vous recours au. Ça sent. Oh, ça sent super bon, tiens. Oui. Ah, ouais. Oh. Ça pas sent pas si bon que ça. Je vais pas aimer, moi. Gâteau. Alors, oui, il y a bien le petit koala dessiné dessus. Hein. Vous verrez pas. C'est quoi, peut-être. Banane? Ouais, fourrage banane. Ah non. Moi j'aime bien. C'est un peu. C'est le bonbon banane quoi. Mais c'est vraiment hyper léger au niveau du croquant. Et le fourrage à l'intérieur, on sent bien la banane. En fait, ils ont mis la banane, le bonbon dedans. Mais non, c'est une crème. On sent quand même que c'est une crème. Bah, ça a le goût du bonbon. Oui, mais bon, en même temps, si ça n'avait pas le goût de la banane, il y aurait un problème. Alors, ça. Alors, pour le prix, donc l'autre, je vous ai dit, c'est 1,02€, hein, je ne me rappelle pas. Là, on est sur un bonbon au chocolat et fourrage au lait. Mais pour le prix, je ne sais pas, parce que je n'ai pas retrouvé sur la facture le nom, en fait. Ça m'a. Justement, les bruits. Il y a quel nom ça ressort là, même. Alors. Michel. Oh, oh bah c'est. Oui, ça subit hein, pendant le transport. Voilà quoi, ce que ça donne. C'est pour un. C'est des petits. Oui, donc voilà, c'est tout petit. C'est des mini pains au chocolat. Ouais, ouais. Bah, je sais pas si c'est pain au chocolat, mais. C'est tout mou. Oh, elle est pas bon. C'est pas fameux, hein. Non. 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 Non, non. Le chocolat, c'est une fine couche craquante. Mais. Ah, la garniture, ça me fait penser à. À la crème glacée cookie d'oat. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle est meilleure en crème glacée. Ouais. Elle est pas d'eau. Donc là, c'est comme tout à l'heure, mais c'est des langues de chat au chocolat blanc et ça coûte 0,87 comme. Les crackers de tout à l'heure, quoi. Voilà. Les miettes, je te dis pas le ménage après. Faut m'en guider. Moi. Bah, j'ai dit, c'est bon. Je reviens sur ma décision. C'est pas mauvais. Le fourrage à l'intérieur, la langue de chat, c'est vraiment ça, c'est langue de chat. Mais le fourrage à l'intérieur, on sent beaucoup le beurre, je trouve. Oh non. Ah si. Je sais pas si c'est chaud, c'est vrai que chocolat blanc, en fait, c'est le beurre. Beurre chocolat. Ouais. Bon, c'est pas. Après, c'est pas mauvais, hein, je veux dire. Ah, ça, c'est des Oreos. Donc, des tuiles fines Oreos à 1,45€. Elle peut être des US. Moi. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un paquet individuel. Ouais, chacun m'a envoyé. Oh, mais il y en a trois, donc comme ça, on teste celui-là. Non, il y a trois paquets comme ça. Hein, je croyais trois dans le paquet, il y en a deux. Non, c'est. Oh, c'est pas loin. Non, si, il y en a quand même, arrête un peu. Il y en a six. Non, si, regardez quand même, c'est fourni, c'est pas non plus imito. Tiens. Ah, ça sent bien le chocolat.
Moi j'aime bien. Ça n'a pas le goût des Oreos. Donc la crème, hein. J'aime bien. Je vous ai donné le prix. Je sais plus. Alors ça c'est un paquet de cookies avec un goût vanillé, donc à 1,90€. Donc choco, vanille, cookie, choco, vanille. Quoi? Non, mais non. Il n'y en a pas. C'est en... Ah. Tiens, un pourtant pour moi, comme ça il n'y a pas de jaloux. Non. C'est en individuel. En petit. Oh. Ah, c'est tout petit, hein. Je ne sens plus mes ciseaux parce que j'ai vraiment... Je ne sens plus mes doigts. Alors, c'est pour celles qui me suivent, depuis la grossesse, j'ai des fourmillements dans les doigts, donc je ne tiens plus rien dans les doigts. Super. Donc, effectivement, c'est petit. C'est tout bon. C'est moelleux. C'est pas mauvais. C'est bon, hein. J'aime bien. Moi j'aime le moelleux. Mais t'aimes pas la crème qui est dedans? Le petit chocolat? Si, c'est bon. Si. Mais c'est vrai qu'au début on a du mal à déterminer le goût. Mais c'est bon. Alors, les Oreos à la vanille, 1,81€, hein, ça c'est les traditionnels. Oh, t'as pas fait ça? Oreo. Bah. Ah, individuel aussi, ça c'est sympa. Donc ça tu peux pas me les piquer. Non, mais ça je vois pas combien qu'un mot. C'est bon pour régime quoi. Ah, ils sont tout mous. Ouais, ils ont grillé. Mais non, ils sont tout mous, ça a l'air trop bon. Ah ouais, ils ont. Ah, ils sont tout mous. Non. Non. Aussi, moi, ouais. Moi, j'aime pas. Ça me fait penser à une texture qu'on a en France. Ça me fait penser. Oui. au substitut de Kinder Delice qu'on a à l'Aldi ou machin, avec de la génoise, avec à l'intérieur du chocolat. Ça a un peu ce même goût là, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle et. Je sais plus comment c'est le nom, mais ça me rappelle le goût là. C'est le cookie à la banane. Donc voilà. Cookie choco banane, 1,16€. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai mis tous les cookies au début. Parce qu'après ça va être plus compliqué de tester en fait. Il y a même des chewing-gums, donc après il va falloir mâcher et cracher. C'est dommage. Donc là, non, il n'y a qu'un paquet. Hein. Mais bon. Ah, c'est de bon moi là. Non. Ah bon. Ça sent fort la banane. Oh, c'est tout petit. Ouais. Ah, ça, j'aime bien ça. Pareil, ça me rappelle, il y a des cookies comme ça en France. Ça sent pas trop fort la banane, donc ça c'est bien. Mais c'est juste bon. Ce qu'il faut. C'est pas mauvais, mais pareil, je sais pas, ils mettent du beurre là dedans ou quoi. J'ai l'impression de sentir le beurre. Ah, c'est pour qu'ils grossissent un peu là-bas. Y a plus de gâteau? Non, y a plus de gâteau. Bon, ben, ouvre la partie dans les bonbons. Non, faut boire un coup avant. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Alors ne faites pas ça chez vous parce que les microbes c'est pas bien. Mais moi je suis pas nerveuse parce que bon, il m'a quand même fait un bébé donc moi ça va. Ah, ça colle à peau donc les cookies, les machins. Alors là, on part sur une barbe à papa saveur citron. Voilà, ça plante comme ça. Les baguettes sont super sympas, moi j'aime bien. Hein. Ça a l'air d'arracher la tête. Non, ça a pas l'air. Moi, sur les dessins. Ouais, mais non, en fait. Avoir les dessins, c'est ça mousse.
Et là, 58 centimes pour ce paquet-là. Mais c'est tout petit, hein. Donc à mon avis, il n'y en a pas. Il n'y a pas grand hein, dedans. Hein. Y a... Ouais, t'as vu? Oh. Alors je vais vous montrer. C'est pour un. C'est... voilà, c'est ça, en gros. Il n'y a pas, y a pas énorme. Hein, je vous prends deux, on mange tout de suite. Oh bah non, mais lui c'est d'abord papa, quoi. Tu peux pas te couper. 1, 2, 3. Ok. Ouais. Ah, t'as vu pourquoi ils ont fait des dessins comme ça? Parce que là, tu prends des trucs comme ça, ça pique. Ah, oh, c'est trop bon, ouais. Ah, si, c'est bon. C'est quoi le citron sur le melon? Pourquoi t'as mis ces... Mais parce que j'ai acheté les deux. Mais attends, c'est écrit en japonais, j'en sais rien, moi, j'arrive pas à lire. Tu sais lire japonais, toi? Ouais. Ça, c'est bon. Bon, on va le finir. Mais non. Ah, j'adore. C'est dans les fêtes foraines qu'on trouve les bonbons qui claquent les dents. Qui claquent dans la bouche. Ça, c'est trop bien, franchement. Le paquet. Ah, trop bien. Vous voyez, hein. Elle a pu. T'en veux? T'en veux pas? Non. Hop. Ah, c'est trop fort. Je conseille, vraiment. En fait, t'as mis barba papa citron partout, en fait. Elle a marqué que ça partout, en fait. Non. Donc ça, c'est la même au citron, voilà. Donc là, c'était melon, hein. Ouais. Et là, c'est citron. Ça, c'est donc, toujours 58 centimes. Hein. Oh, ben là, il y a un papier avec. On s'en fout, il y a rien écrit dessus. En fait, quand tu tapes le début, bon, bon. Il n'y a pas de claque machin. Comme ça sent que c'est citron. Ouais, tiens-le, ouais. Mais ça sent bon le citron. Je préfère l'eau. Je préfère au melon. Oui, mon amour. Oui. Mais là, il n'y a pas de claque. Pas de truc qui claque. Il n'y a pas de claque les dents. Non, il n'y a pas de claque les dents. Non, c'est pas mon truc, je le dessin. Moi, c'est pas grave, c'est bon quand même. J'aime bien. Allez, bah, papa, ouais, c'est pas mauvais, franchement, allez-y. Tiens. Ça. Mais il y a plus que ça. Tiens. On fait ça ou c'est tout? Il y a une sucette, je ne peux pas faire la sucette. Bon. Alors, ça, c'est les bonbons à la pêche et au lait, et ça coûte 0,87 centimes. Voilà, ça se présente comme ça. Ça sent bien la pêche. C'est gélatineux. Ouais. C'est des petits bonbons gélatineux. J'aime bien. Ça n'a pas trop de goût en fait. Moi aussi je trouve. Oh, tu trouves, tu trouves. Moi aussi on sent bien le goût de pêche. On contrôle pas. Tiens. Alors ça c'est des bonbons gomme, cola et citron je crois. Mais je suis pas sûre. 94 centimes. Forcément, je ne lis pas les japonais, donc. Et quand ils nous envoient le récapitulatif de la commande, on voit pas les packaging et j'avais pas le temps de retourner sur le site et d'aller voir chaque packaging et à quoi ça correspondait. Donc. C'est pas grave, comme ça, ça donne la surprise. Et puis tu sais que ça, j'ai pensé à toi parce que ça fait une. C'est une puce en fait. Ça oui, ça saute. Voilà. Oui. Prends-moi un autre. Oh, bah oui, les bonbons, ils sautent aussi. Et alors, ouais, il y a jaune. Arrête ! Jaune et orange. Mais c'est tout petit, c'est riquiqui. Il y a pas de jaune. Aussi, donc, les oranges, chocolat. Tant que j'en mange un, t'en auras pas mangé un. Les jaunes, c'est citron. C'est bien ça, donc c'est citron cola. Mais c'est hyper dur quoi, c'est des bonbons. Ça s'avale tout de suite en fait. Tu les avales tout rond quoi, faut. Ouais.
Dangereux. Très dangereux pour les. Enfin, ne pas. Non, arrête. Ne pas donner aux petits enfants parce que c'est vraiment trop petit et ça craint. C'est la même. Ouais, c'est la même, mais Mais au soda. c'est soda. 94 centimes aussi. C'est mon fils, il s'exprime, c'est normal. Mon amour. Donc voilà, tu auras ta petite puce sauteuse aussi. Ah, c'est plus gros là, non? Ah non. Non, ça non. Tiens. J'en veux pas faire, moi. Ah, mais attends. Ah, mais c'est tous les mêmes. Soda. On sent bien, on sent le goût du soda quand même. Mais bon, Je sais sinon c'est pas. comme les autres, on n'est C'est pas fade. fan. C'est fade un peu. Hein. On n'est pas fan. C'est juste des bonbons, c'est des gommes. Ah, on a un gros paquet. Alors, ça, c'est des Milky. Alors, Milky, je ne sais pas à quoi ça correspond par contre. Les vaches. C'est des Milky à la crème. Donc, c'est des gommes à la crème, je pense. On va vous dire ça parce que. Mais pas les lignes, super cute. Cute. Regardez. Trop cool. Donc, je ne sais pas. On va bien voir. Surprise. Ah, c'est emballé individuellement aussi. Ah oui. Les Milky, c'est un peu comme les Milky en France, quoi. Milky Way? Les Milky Way. Non, je pense pas. Non, ça n'a pas du tout le même aspect. Bon, ça donne une sorte de dragée ou C'est un quoi. caramel en fait. C'est quoi l'autre, hein? Ah ouais, on sent vachement la crème, c'est tout à fait soft. Bon, c'est pas mauvais. Ouais. En fait, c'est une version sans caramel des Werther's Original Mou. Voilà, tout simplement. C'est pas mauvais, mais je fais pas de pub, t'es la meuf. Fais pas de place, une pousse. Ouais. Alors, ça, c'est des mochi popcorn. On n'est pas sûr non plus. Vas-y. Et ça coûte 22 centimes. Je sais même plus, je m'en rappelle même plus si j'ai dit les autres. C'est 1,45. d'Asie et puis. Je m'en rappelle. Mais c'est pas grave, on les mettra derrière. On les mettra les prix. Mais comment ça a capté, comment ça fonctionne YouTube? Inquiétez Donc, hein, comme il dit, hein. Mais tu sais que j'ai pas fini le bonbon d'avant, quoi. Mais moi aussi. Allez, j'en veux qu'un. Oh, c'est des croûtons de pain. C'est tout petit. C'est salé ou sucré? J'ai mis dans sucré parce que je croyais, Ah, mais. c'est plus salé. Hein? Ah, on s'est trompé d'un truc, c'est salé. Non, on n'est pas le japonais. Ouais, c'est ça. Super le mélange! Ouais, c'est pas terrible. Mais goût popcorn quand même. C'est un croûton de pain un peu plus aérien avec goût popcorn. Ça va, pas mauvais. Alors, ça, c'est un bonbon gomme yaourt à 0,29. J'espère pas. Ça ferait quand même beaucoup, donc voilà comment ça se présente. Je ne sais pas comment ça va être à l'intérieur. Ça a l'air d'être une barre. Gommée. Ouais, c'est une espèce de barre. Il y a un peu ses goûts, hein. Mais je ne sais Non. pas, non, je crois pas. Ça va pas être normal. Mais non. Alors, on sent rien, il n'y a pas de goût. Moi j'aime bien. C'est juste pâteux, quoi. Moi j'aime bien, ça fait un peu yaourt fromage blanc au sucre, mais en sous forme de barre. Ouais, ça me fait penser à ça. Fromage blanc ou vous savez, les yaourts qu'il y a dans les supermarchés sucrés déjà Petit à encore. l'intérieur. Mais petit encore. Non. Allez, sois. Non. Non, c'est chewing-gum. 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 Bonbon. Alors ça, c'est des bonbons à la pêche blanche. Et ça coûte 0,87 centimes. Pêche blanche et lait. Milk. T'as mis pêche partout, toi. Oui, tu sais que sur le site, je comprends pas des fois. Bah, ça va, c'est emballé individuel. Des fois sur le site, tu as des arrivages. Alors, des fois, ça va être soda. Tu vas avoir tout qui est au soda.
Après, tu vas avoir pêche, tout qui va être à la pêche, c'est un peu bizarre quand même. Ah ouais, mais c'est des bonbons à croquer. Ah, mon coco. C'est des crémas à la pêche. C'est les crémas durs, pas les crémas mous. C'est les crémas à la pêche. Pêche blanche. C'est pas mauvais, j'aime bien. Oui, ça sent. Et quand même, on n'est pas tombé sur des surprises de ouf, hein, quand même. Non, pas moi. C'est bon, hein? Bon, pêche, mange toujours. C'est bizarre. Ouais. Mais je te dis, il n'y a que ça en arrivage. Excusez-moi, hein, je vais pas passer ma vie à sucer le truc pour que ça aille plus vite. Alors, là, nous avons une gomme pêche blanche avec un cœur à la pêche blanche. Donc, super pêche blanche, quoi. À 0,87 centimes. Packaging, ça donne ça. Moi, je n'ai toujours pas le japonais depuis tout à l'heure. Attends. Ah, toi aussi? Bah allez, parce qu'après. Ça va, on va dans les mêmes goûts quand même. Gentil, hein, je te l'ouvre et tout. Trop Bah sympa. c'est normal. Bah ouais, genre. Bah oui. Non, mais. Macho. Oh. Merci. Et même sur le packaging, en fait, il y a des petites têtes toutes rigolotes. Sur l'emballage individuel, c'est rigolo. C'est plus dur à mâcher. Hein? C'est pas terrible. C'est dur à mâcher. Non, pas terrible. La texture est un peu indéfinissable. Il y aurait quoi qui ressemble un peu en France? Aussi pâteux que ça, dur à mâcher. C'est un peu plus pâteux que les carambars aux fruits en fait. On va dire que vous prenez un malabar bien dur. Non. Oh, si, des fois il y a des malabars, c'est aussi dur que ça. Malabar, c'est très dur, là, ça va encore. Non, c'est un peu carambar, mais un peu plus caoutchouteux que le carambar aux fruits, vous savez, là. Donc voilà. Pas mauvais. Voilà. Pareil, excusez-moi, hein, je parle en mangeant, c'est totalement indécent, mais bon. C'est comme ça. Donc là, c'est bonbon au soda effet mousse à 0,94 centimes. Le packaging aussi super rigolo. J'en colle dessus parce que sinon, pour vous mettre des prix à la fin, ça va être un peu galère. Non. Les gens, ils sont pas cons, les Japonais, ils ont fait des ouvertures pratiques. Pour qui? C'est individuel. Non, bon, les vacances. On va les mots sont individuels là. Ah, tu brûles d'après. Des boules. Bon, ça m'inspire pas confiance hein, parce que vraiment, elles sont comme ça. C'est un peu verdâtre, mais vert pâle. Ça pique au début. Ça pique au début. Ça fait une mousse. Bah, c'est marqué, c'est une mousse, hein. Bah, c'est ça, hein, ça. C'est à la hauteur des espérances mousse. Ah, mais le goût, ça sent, ouais. Ah, mais le goût, ça. Faudrait montrer ce que ça fait dans la bouche, mais bon. C'est pas possible. Ça fait genre une aspirine que vous mettez dans la bouche avec un goût soda, donc super sucré. Et en gros, la mousse, vous savez, Si vous avalez pas, ça va. qui fait sur les côtés quand il y a dans les films un peu des effets spéciaux de merde. Ça fait ça. Ça fait ça. Oh, c'est horrible. J'aime pas. Et toi? Ça va. Oh non, j'aime pas. C'est juste le temps de ta mousse, quoi. Je peux pas aller jusqu'au bout, excusez-moi. L'intérieur, visiblement, il y a un cœur liquide. Mais je peux même pas continuer, moi. Pourtant, toi qui aimes bien le piquant, les machins tu, Ah, qui ça piquent et pique. tout, mais alors, J'aime hey, bien. même lui, ferme les yeux, quoi. Là, ça pique pas, c'est acide. Pas pareil. Bon. Alors, ça, c'est des caramels à la fraise des bois. Donc, ça coûte 0,87. Et là, par contre, le packaging est un petit peu plus sobre, on va dire. C'était la fin de.
à me goûter. Je fais les soldes. Truc soldé, tu sais. On en revient. Ah, il y a une blague sur pratique. Oh, tu vois, ça avait du problème. Ouais. Allez! Oh, patron, elle est la première. Oh oui, mon chaton! Attends, il faut que je recrache le mien. Parce que c'est long à sucer. Tiens, tu serviras. Ouais, bah oui. Bah, puis j'ai pas envie de croquer, moi. Franchement, je t'avoue que là. Non, mais même croquer, c'est dur. Il ouais. était dur. Bah, moi, j'aime pas. Hein. Franchement, ça pique et tout. Mais bah, je m'en doutais quand même. Hein. Donc, ça, c'est à la place des bois. Gomme. Moi qui aime bien le caramel. C'est beau quand même. Texture carambar. Carambar aux fruits. Pas besoin de me frapper. T'as voulu goûter aussi toi, mon chat. Ça va. On sent bien la presse quand même. Et ça, c'est les mêmes mais au lait. Donc toujours 85 centimes. On sent bien la presse, mais on sent pas le caramel quand même. Pas trop. Non, mais c'est la texture caramel, chérie. Ah bon. C'est bon. Je comprends pas. Caramel mou quoi. Oui, vas-y. À tes souhaits. Oh là. À tes amours, mon bébé. C'est moi, ta mère. Ah oui. Un nom de ta vie. C'est pas grave, c'est mon fils de ménage. Mais étant donné que moi je mets dedans en plus à manger, donc je vous dis pas. Tout le temps la dernière à table. Ça c'est bien ça. Ah ça c'est bon ça. C'est quoi? Un caramel. Ça fait penser au. Tu sais au créma, les gros bonbons que t'as dans les gros paquets de créma là. Avec une tête de figue dessus. Ces bonbons là. Espèce de zan là. Les bonbons créma avec le tigre dessus, c'est un peu zan. C'est un peu ce goût là. Non, ça n'a pas le goût du zan, hein. Tu. Non. Tu sais pas ton enfant. Tiens. Bah attends, j'ai pas mis ma bouche. Bah. Je vais boire un petit coup le temps que tu finis ta bouche. Ça vient bon, hein, il nous reste 4 produits. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés quand même. T'en veux. C'est de la bonne. Ouais. C'est sucré quand même. C'est normal. Tu fais la vidéo sucrée là, c'est vrai que sucré. Merci. De rien. Après, on va aller. Oui, en mars, s'il te plaît. Surtout le mars. Oh là. Alors, ça. Ouais. Alors, j'ai pas de prix, c'est des sucettes. Oui, tu l'as découvert. Mais en fait, c'est des sucettes, mais. En fait, c'est un kit à monter soi-même. Elle est où la notice? T'as un bâton, t'as la sucette là, c'est attends, la guimauve là, et ça c'est du chocolat, je crois. Tu dois mettre ton chocolat non, là. C'est doux. Ben, donc tu m'as dit banane de tout à l'heure le mettre. Essaye. Non, dis pas des bêtises. Mmh, assistante. Assistante. Ça, ça doit être. Mais il n'y a pas avec tes ciseaux, tu vas me couper en douille. Oh, c'est du chocolat. Madame a les esprits mal placés. Oh, j'ai rien dit, t'es moche. Assistant. Alors, voilà. Les kipik. Mais je sais même pas si c'est des kipik, en fait, c'est juste des boules. Non. Des boules. Sur la photo, c'est marqué des kipik. Il est où le bâton? Je viens de te l'ouvrir. Tiens. Donc vous êtes censé prendre. Ben ouais, mais il faut demain en fait. Tiens, assistant, tenez le verre. Alors en fait, vous avez. Donc, je vais faire comme ça. Le petit bâton, je sais pas c'est quoi, banane, je pense. Vous plantez dans le chocolat. Enfin, vous trempez dans le chocolat. Et ensuite dans les petites billes. C'est quoi? C'est pour banane. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût, tu peux goûter. C'est banane et eau. Oh. Eh mais lui. Ah, ça prend du goûter tout. Donc c'est bien banane. Là c'est pas mauvais hein. Alors on fait une petite. Une chevelure. Monsieur patate. Monsieur banane.
Donne. Tiens, assistant. À moi. Et non, les billes ne piquent pas. C'est juste de la déco. Ah, c'est pour les enfants, en fait. Mais en fait, je l'ai pris exprès pour lui, parce que je sais qu'il adore les trucs de... d'enfants, en fait. Et j'ai pas tiré. C'est vrai? Bah non. Par contre, c'est chiant. Mais c'est pas terrible, il y retourne! Il attend même pas le bâton c'est chiant, les gars. Non, pas terrible. Non. Non. J'aime bien la banane, le stick banane, mais le chocolat en fait, à part le Nutella, moi, allez bim, encore une marque. J'ai refait de la pub. Donc voilà. Non, ça après c'est Ginob, c'est meilleur. Donc il y avait en arrivage des M&M's aux amandes. Voilà, donc 87 centimes. Forcément, j'ai pas pu résister, j'en ai pris 10 paquets. Vu qu'ils sont petits en plus, heureusement, parce que j'ai envie de dire. Ne coupe pas le prix. Mmh, les chats. Ouais. Il est pas chuté à mon fils. Mmh. Il veut s'exprimer, hein. Il est comme tout le monde, il nous entend parler. Bon, oui, hein. Maman, elle m'a coupé le papier. J'ai trop de mal. Mon toutou. Oui, là ça commence à sentir la faim. Voilà. On va se dépêcher de finir. Il n'y en a plus beaucoup, mon chéri. Ça qu'est. Ah, très bon. Bon. Ah non, c'est bon. Très bon, vraiment. Moi, ça, c'est des. C'est des cadeaux, mais tu peux leur dire qu'ils nous ont offert des ouais, cadeaux. Ouais, tu parles. Ils nous ont offert des cadeaux, ouais. Ah, super. Je sais pas quoi, c'est. Il y en a un, c'est un citron, et l'autre, je sais pas. Allez, des chewing-gums. Ça, c'est des chewing-gums aussi quoi. Ouais. En fait, il reste des chewing-gums dans notre. Paquet, c'est 1,02€ pour celui-ci. Et l'autre, c'est. C'est pomme. Pomme verte, 87 centimes. Voilà. Donc là, on a pomme abricot. Hein. Et je vais encore galérer, je sens. Mmh. Ouverture facile. Oui, bien. Tiens. Oh, c'est comme les. Mmh, bébé. Ah oui, hein, lui, il doit manger aussi, donc c'est pour ça qu'il chouigne un peu. Mais on va très vite aller lui en donner, donc ça va aller. Non, j'aime pas. Ça a un goût un peu chimique, médicament. Le goût part vite aussi. Ah tiens, la pomme. Ah, un goût médicament. Ouais, pomme verte là. Moi j'aime pas. Parce que j'avale. T'aimes pas la pomme verte? Non, mais ça j'aime pas là. D'accord. La pomme verte, abricot, machin. C'était pomme abricot. Ça, c'est le pomme verte, là, 87 centimes. Tu vois que tu parles. Il me dit, ouais, tu feras la vidéo et tout. Moi, je ne veux pas parler et tout. Je connais pas, non, machin. Je suis timide. Ouais, ça, timide, tu parles. J'ai toujours été timide. Ouais. Et au revoir. Donc, excusez-nous, ça a coupé. Donc, on va vite fait retourner sur. Pomme verte. C'est de la gomme. Mais c'est des gommes en fait, c'est pas des chewing-gums, donc je me suis trompée. On sent bien la gomme. La pomme, pardon. Et puis, c'est pas terrible. 87 centimes, mais ouais, c'est pas... C'est pas... Mais c'est pas mauvais quand même, hein. Oui, voilà. C'est pas mauvais. On n'a pas eu, en gros... Hein? Ah oui, on a oublié les WC. Ah, j'ai oublié ça. On a oublié les WC. Un petit cadeau de ma chérie. Pour s'amuser des WC. Faut que je le fabrique et ça mousse dedans, je sais pas. On verra. Je vais vous le monter et on verra bien ce que ça donne. Donc, le temps qui monte et puis on se retrouve tout de suite. Donc, à tout de suite. Pour le dernier petit achat, donc c'est les fameuses toilettes. Donc après montage, ça donne ça. Ah, il a mis même les stickers et tout, trop cool. Donc, je te tiens, tu me tiens. On va essayer de faire le vert. T'es sûr? Ouais, non, je suis pas sûr, je sais pas ce que c'est. Donc on va essayer. Et toi, t'as pas parlé japonais? Non, pas japonais. Alors il faut mettre là-dedans, ils disent.
Oui, mais c'est peut-être deux trucs parce qu'il y a deux. Non, 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 c'est pas de. Et après, il faut que je mette de Oui, mais l'eau. et pourquoi il y a deux sachets? C'est parce que c'est pas les mêmes couleurs, c'est deux parfums. Ah bon? Je vais pas mettre deux machins, j'ai pas envie que ça mousse partout. Donc on met l'eau après le petit sachet. Ils te disent qu'il faut en mettre combien? Je sais pas. Ouais, on met pas trop, ouais, déconne pas, Attends, ouais. ça va déborder de Oh! partout. Eh oui, mais si ça déborde, c'est pour ma pomme! Allez, bouge! Mais arrête! Heureusement, ça mousse.